monde est étrange. Le monde est vraiment étrange. Regardez, ici même, en ce moment, nous sommes pris entre deux infinis, coincés entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. L'infiniment petit est bien sûr partout autour de nous. Nous sommes nous-mêmes faits de milliards d'atomes qui répondent aux lois étranges de la physique quantique. La physique quantique. Elle m'a appris l'impensable. La réalité n'est pas celle que nous percevons. Prenons cette orange, par exemple, ou l'orange que vous avez peut-être dans les mains en ce moment. Eh bien, ces oranges n'existent pas telles que nous pensons qu'elles existent. Oui, moi aussi, ça m'a perturbé, cette idée-là. Et je vais vous expliquer comment, derrière le rideau de notre quotidien, se cache une grande machinerie quantique qui agit en coulisses et crée notre réalité. Je vous propose une petite visite dans ces coulisses. Prenons donc notre orange et si elle n'existe pas, cela veut dire déjà que sa couleur n'est pas censée exister. Pourtant, la couleur a l'air d'être un caractère objectif de la réalité extérieure. Grâce à nos yeux, n'est-ce pas, nous pouvons voir cette réalité extérieure telle qu'elle se montre à nous, c'est-à-dire montrant un fruit de couleur orange. N'est-ce pas? Eh bien non, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, car les couleurs sont une illusion. Les couleurs, ça n'existe pas. Alors qu'est-ce qui existe? Ce qui existe, ce sont des ondes, de la lumière, de l'énergie, du rayonnement. Autant de termes qui désignent un même phénomène, c'est la force électromagnétique, l'une des quatre forces de l'univers. Une onde électromagnétique est portée par un flux de photons. Les photons sont les particules élémentaires de la lumière qui filent à 300 000 km à la seconde. Alors concrètement, comment ça fonctionne? Orange. L'onde électromagnétique va venir rebondir sur ce fruit et puis parvenir à mes yeux. Cette onde va être interprétée, encodée par mon cerveau, par un processus biochimique, électrobiochimique extrêmement complexe. Et puis là, mon cerveau va décider que cette onde-là, c'est la couleur orange. La couleur n'est rien d'autre qu'une création issue du câblage de mon cortex. Et comme nous sommes tous plus ou moins câblés de la même manière, eh bien, nous allons tous décider que cette onde-là, c'est ce que nous appelons la couleur orange. Mais certaines personnes sont câblées un peu différemment, comme les daltoniens, par exemple. Et pour un daltonien, il va interpréter cette onde-là de cette manière-là. C'est-à-dire que pour lui, l'orange, la couleur orange, c'est ça. Et si nous étions tous daltoniens, eh bien, la tenue rouge du Père Noël ressemblerait à ceci. Et ça nous paraîtrait absolument normal. Tout ça parce que le rouge, le vert, le bleu, aucune couleur n'existe, ce sont des images mentales, des créations issues de notre cerveau. Et alors reprenons notre orange et allons un petit peu plus loin. Si nous la comprimons un petit peu entre nos doigts, nous avons l'impression que cette orange est pleine de matière. N'est-ce pas? Elle est pleine de matière. Et non. Elle n'est pas non plus pleine de matière. Dans l'infiniment petit, cette orange est vide, essentiellement vide. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette orange? Eh bien, évidemment, il y a des milliards et des milliards d'atomes, et ces milliards d'atomes sont faits à 99,99% de vide. Eh oui. Imaginons que le volume entier de cette salle représente le volume d'un seul atome de cette orange. Nous sommes dans un atome. Alors qu'allons-nous y trouver? Nous allons y trouver surtout un noyau atomique. Et ce noyau, où est-il? Oui, il est là. Si je le retrouve. Il est là, le noyau atomique. Si le volume de cette salle représente le volume d'un atome, eh bien, son noyau à la taille d'un petit pois. Toute la masse, ou quasiment toute la masse, toute la matière contenue dans cet atome, tient là-dedans. Le reste, il est vide. Un vide, il y a quand même quelque chose. Et ces quelque chose, ce sont
des ondes électromagnétiques. Eh oui, encore elles, elles sont là. 99,99% du volume d'un atome est occupé par des ondes électromagnétiques. Il y a quand même des tout petits grains de matière encore dans ce volume atomique. Ces petits grains de matière, ce sont les électrons. Il y en a très peu, quelques unités, quelques dizaines au plus. On peut les imaginer ici comme de tout petits moucherons qui seraient en train de voler, d'orbiter très très vite dans ce grand volume. Et comme nous sommes dans un atome, et pour les besoins de la démonstration, je vais attraper un de ces électrons. Attention, cascade. Alors, celui-là. Voilà. On va dire que c'est un électron. Il vous convient, celui-là ? Oui ? On va le garder de toute façon. Donc cet électron, il a une particularité, il a une charge électrique déjà, et cette charge électrique, elle est négative. Alors c'est important parce qu'il faut imaginer qu'à côté de l'atome dans lequel nous nous trouvons ici, il y a d'autres atomes partout à côté, et ces atomes contiennent eux aussi des électrons de charge électrique négative. Négatif contre négatif, ça se repousse comme deux aimants se repoussent. Ok, mais en quoi cela nous concerne-t-il ? Orange. Lorsque je touche cet orange avec mon doigt, ce sont les électrons de charge négative des atomes de mon doigt qui repoussent les électrons de charge négative des atomes de cet orange, et inversement. Le toucher, la sensation de solidité n'existe pas réellement. Ce qui existe, c'est de la répulsion électromagnétique. Idem pour les sièges sur lesquels vous êtes assis. En réalité, vous ne les touchez pas. Vous êtes en sustentation électromagnétique au-dessus d'eux. Eh oui. Donc, résumons. Dans l'infiniment petit, nous sommes électromagnétiques et vides à 99,99%. Nous nageons littéralement dans un brouillard électromagnétique. Ce brouillard, les physiciens l'appellent aussi des champs quantiques. Alors, très rapidement, un champ quantique, les électrons, les photons dont je viens de vous parler, et d'ailleurs toutes les autres particules, sont par nature dans un état qu'on appelle indéterminé ou incertain. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois partout et nulle part, en même temps, dans un grand champ quantique, une grande onde qui s'étend dans l'ensemble de l'univers. Bon, retenons ici simplement cette idée de brouillard électromagnétique. Et dans ce brouillard électromagnétique, nous avons vu que le toucher et la vision sont électromagnétiques. Mais en réalité, toutes nos perceptions, absolument toutes, sont à la base électromagnétiques. Oui, c'est difficile à croire, mais pourtant c'est vrai. Il y a quelques années, un scientifique américain a imaginé une expérience de pensée qui illustre ce propos. Vous rentrez chez vous ce soir, après cette présentation, et malheureusement, en chemin, un savant fou vous kidnappe. C'est lui. Et ce savant fou vous emmène dans son laboratoire et va, comme vous le voyez, prélever votre cerveau. Il va brancher votre cerveau à un appareillage ultra sophistiqué capable de reproduire à la perfection tous vos stimuli sensoriels. Et comme tous ces stimuli sensoriels sont électromagnétiques et qu'ils sont interprétés par votre cerveau, eh bien, vous ne feriez pas la différence. Votre cerveau serait dans cette cuve, mais vous auriez l'impression de vivre absolument normalement. Eh oui, à l'échelle de l'infiniment petit, tout n'est que brume quantique, brouillard électromagnétique. Non, tout, mais non, c'est pas tout en fait. Souvenez-vous, il reste quelque chose. Notre noyau, notre petit pois, notre noyau atomique. Souvenez-vous, voici enfin quelque chose de rassurant, de palpable. Ce noyau rassemble l'essentiel de la matière, de la masse. C'est un concentré de matière. Ou est-ce vraiment un concentré de matière ? Alors, si je vous pose la question à ce moment-là de la présentation, vous devez vous douter que la réponse est peut-être non, ce n'est pas un concentré de matière. Et effectivement, ça ne l'est pas. Pas du tout dans le sens où on l'entend. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce noyau atomique ?
Dans ce noyau atomique, il y a trois quarks dans un proton. Il s'agit ici d'un atome d'hydrogène le plus simple qui existe. Donc ces trois quarks, ce sont des particules élémentaires de matière et ils sont tenus par une force, une colle qu'on appelle les gluons, les bien nommés, les gluons. Donc trois quarks sont tenus ensemble par des gluons. Et c'est tout ce qu'il y a dans ce noyau atomique. Et c'est bien le problème, parce que nos trois quarks ne tiennent que pour 1% de la masse totale de ce noyau atomique. Où sont donc les 99% restants, les 99% restants de la masse de nos oranges, de vos masses, de la masse de tout ce qui existe d'ailleurs? Eh bien, tenez-vous bien, cette masse provient de l'énergie des gluons, cette colle qui tient ensemble nos trois quarks. Oui, de l'énergie. Parce que depuis Einstein et sa fameuse équation E égale mc², nous savons que l'énergie peut se transformer en masse et la masse en énergie. Les deux sont équivalents. OK, donc notre masse provient de l'énergie de gluons. C'est déjà bizarre, mais il y a pire. Cette énergie provient du vide, de nulle part, du néant. Prenons un espace et nous le vidons de tout ce qu'il contient. Nous enlevons la matière, toute substance, toute particule qui peut y exister. Une fois que nous avons tout enlevé, il reste toujours quelque chose. Et ce quelque chose, ce sont des champs quantiques. Et ces champs quantiques peuvent faire apparaître de l'énergie à partir de rien du tout, du vide. Démonstration. Je reprends mon petit poids, mon noyau atomique. Et nous allons faire apparaître ici de l'énergie à partir du vide quantique. Attention, vous êtes prêts? Alors, n'ayez pas trop d'attentes quant à l'aspect spectaculaire de cette démonstration. Vos attentes sont modestes, c'est très bien. Vous allez voir. Attention, par exemple, donc, l'énergie va apparaître ici, à partir du vide. Pouf! Voilà. De l'énergie, une fluctuation d'énergie est apparue à partir du vide. Cette fluctuation va venir vers mon noyau atomique, va se transformer en masse partiellement grâce à E égale mc², et puis va repartir vers le vide quantique. Ça dure environ 10 puissance moins 21 secondes. Et ça va continuer. C'est un balai incessant de ces fluctuations de particules virtuelles dont l'énergie va créer le 99% de la masse de ce noyau atomique. Et le 1% restant. Le 1% restant, eh bien, c'est la masse même de nos trois quarks. Eh bien, elle vient, elle aussi, d'un champ du vide, d'un champ quantique, un autre, le champ de Higgs et son fameux boson de Higgs, dont vous avez sans doute entendu parler. Donc, l'arithmétique est simple, 99% plus 1% égale 100%, 100% de notre masse provient du vide quantique, 100% de la masse de nos oranges, de la masse de tout ce qui existe. Donc du vide quantique, ça veut dire donc de l'énergie de particules virtuelles parce qu'elles ne sont pas censées exister, qui surgissent du vide, qui n'est pas vide. Je vous l'ai dit en préambule, le monde est étrange. La masse, l'énergie et la matière ne sont pas ce que nous en percevons. Et c'est valable aussi d'ailleurs pour l'espace et le temps, l'espace-temps. Mais ceci concerne plutôt l'infiniment grand. Et c'est une autre histoire que j'aurai peut-être le plaisir de vous raconter une autre fois.